Et salut tout le monde, c'est MacLeon85. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Platine pour l'épisode 35. Et donc pour aujourd'hui, on va partir pour le sommet du Mont Crème et le monde distorsion en même temps normalement. Donc voilà les Pokémon, je les ai pas expliqués du tout, hein, j'ai voulu rien faire. Voilà tous les 45 sauf Lucario qui a un petit peu de retard, mais qui va vite les rattraper, je vous le promets. Je dis c'est parti pour le sommet Mont Crème. Pardon, Mont Couronné. Alors qu'on nomme aussi colonne. Non, alors Mont Crème ça vient du jeu Nostal. Je suis désolé, je me suis gouré. Alors qu'on m'a double ici. Ne pas tourner dans nos affaires, tant pis pour toi, on va gêner pour te botter les fesses. Je crois que j'ai trop d'or à côté de moi. Ah non, c'est Carmage, merde. Mince, 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 mince. J'ai envie de tenter un truc. Séisme. J'ai envie d'essayer quelque chose. Non, pas de bouffe. Bon, ben, c'est pas grave. Normalement, celui qui va perdre plus difficilement. Meurs. Je le hausse, je le hausse, je le hausse, je le hausse. Tellement noob. C'était quoi ça? C'était quoi cette technique? What the fuck? Il s'est sacrifié pour faire baisser mon attaque, mon attaque spéciale. Je vais vous dire, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Hein. Non, j'ai strictement rien compris. Je sais pas ce que c'est cette technique. Il s'est sacrifié pour faire baisser. Mais non, mais c'était quoi ça? Bon, ça, j'ai plus rien à te faire par contre. Bon, les gars, que tu touches parce qu'on est tous les deux des mâles. Ça, ça prouve que j'aurais pu le hausser. Hein. Ça aurait fait mal, dis-moi. Et ils sont tous combats ou quoi là? Ils vont devoir scanner, quoi. Hein. J'espère qu'il y en a un qui va me arriver à me guérir, parce que sinon je suis dans la merde. Pas de chance. Et ben tu es trop coriace pour nous. On va te laisser passer mais nos chefs se chargeront de te pénaliser. C'est ce qu'on verra. Gna, 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 gna. Tellement classe la musique. Et je me balade. Non, je vérifie juste s'il n'y a pas des objets par-ci par-là. Alors vous inquiétez pas, je change de Pokémon. J'en mets qu'un seul. L'explication se fera après. Tu veux comme ça, je ne te laisserai pas déranger le chef. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Après tout, je ne compte même plus les fois. Tu as mis dans l'embarras à moi maintenant. Tu es peut-être curieuse, mais cette fois, je ne prendrai pas de gants. Tada ! Enzo ! Eh, une minute, on ne commence pas la fête sans moi. Jupiter, hein ? Vous vous souvenez de moi ? Je viens prendre ma revanche. Ah, mais c'est bon, je voulais le savoir. Tu t'es amélioré, puis le temps, c'est ce qu'on va voir. En garde. C'est parti, combat double. Avec notre ami Enzo. Eh oui, nous sommes sensibles aujourd'hui. J'ai bien fait ou quoi de faire ça? J'ai fait de la chance. Vraiment que de la chance, là, écoute. J'en ai éliminé un. Attends, ils ont tous les deux à qui venir, quoi. C'est une blague. Je suis sûr qu'il y en a qui va utiliser mieux la lumière après. Ah non, c'est sûrement que ça va tomber. Même pas! Yes! Ah, vous avez vu, il a un grand frisson. Ça avait fait rire quand j'avais vu ça, je me suis dit mais c'est une blague. Mais non, c'était pas une blague. Enfin bon, il a mis trop, il est puissant quand même. Hein. Genre, on est de très bons souvenirs.
J'ai fait exprès, hein. Putain, ils sont tous sur le Gonfrex, hein. Moi, je m'en souviens, il avait tout explosé, moi. La première fois que j'ai eu le jeu. Ah non. C'est bien, ils se partagent le boulot. Non, je dis non là. Alors, le gentil humain, et donnez-moi votre XP. Votre XP, quoi, c'est tout? Putain, il faut qu'il arrive à attaquer ou un frex là. Je crois qu'il est plaquage. Punaise, c'est à côté. Plaquage. Ah non, il va pas peiner, il va pas faire que le plaquage. Je crois pas. Je crois qu'il est assez intelligent quand même. Allez, on va se faire. J'en finis un. Hein. Ça fera déjà un en moins. Merci. Donc là aussi, hein, voilà, ça fait 3 épisodes que je ne respecte plus le temps. Je suis un fou. Je respecte pas le temps non plus. Hein, jusqu'à la fin du monstration, jusqu'à la capture de Charatina. Ah oui, je me souviens de ça. Quand il va délivrer sa prochaine attaque. Je peux vous dire, ça va faire mal. Ok, bon ça va, j'ai... Je suis assez bien parti, quoi. Ah, j'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'ils ont contre Gonfrex, punaise. Ah ben je suis plus là. Salut. J'avais oublié son lance-flamme. Je vais tenter Carmèche. J'ai envie de tenter quelque chose. Ça sera pas sûr que nous faire tout, ça c'est sûr. Non. Non, ne croyez pas ce que ça sera, que ce sera ce que je pense. Hein. D'ailleurs, j'ai failli le faire sans faire exprès. La punition, c'est. Oh, le bête, hein. Puis je sais pas. J'avais 12 HP, un truc dans le genre, j'avais pas beaucoup. Là, j'ai mal géré. Par contre, j'espère qu'il va me tirer mes Pokémon après. Hein. Ça, après, sinon, je suis dans la grosse merde. Tous les deux 6 Pokémon, c'est ça qui est fou. Ouais, on a tous Pokémon à disposition. Ou bâtard. Attends, attends, évite l'attaque, bon ça c'est normal. Yeah. Bien joué ça. C'est sûr, ok. C'est mort malheureusement. Très heureux de t'avoir connu. Ouais par contre je meurs quoi. But... Ah non par contre faut que j'ai deux coups là. Merci. Parce que je sais qu'il allait mourir à ce fois. C'est tout, j'avais pas envie de perdre pour rien. Enfin de perdre l'XP pour rien. Puis ça doit être pas mal. Alors fait il se. Non punaise. Tout buttable et tout retard. Putain j'ai vraiment de l'avance sur sur Enzo. Hein. Je vais tenter un truc.
Voilà, maintenant tout le monde va stacker sur moi. Ça en fait un moins. Par contre là, j'espère qu'il va tuer ou faire, sinon je suis dans la gamme. D'accord. Ouais, bon, ça va. Yes. Waouh, j'ai gagné 4k d'XP avec celui-là quoi. Voilà. Ça aille vite. Alors, en y pensant, donc Giratina. Je pense à Giratina. Dans Pokémon version Perle, on pouvait aussi l'attraper, mais en fait, voilà, c'était plus tard. Il était beaucoup plus HL. Alors que là, c'est l'inverse. C'était Tielga et Palkia qui vont être plus HL. Enfin bon, vous comprendrez, vous inquiétez pas. Yes, merci. Et maintenant c'est le moment à toi de jouer. Le mec il fuit. Tout est enfin prêt pour la création d'une nouveau monde. C'est ici que tout se termine et que tout recommence. Avec ses chaînes rouges fabriquées à partir de cristaux, les trois Pokémon, Lacustre, et avec sa réplique fruit de la technologie, je vais ouvrir un portail vers une autre dimension. Je vous ordonne de déchaîner sur ton puissance. Voilà, on va voir tous les endroits où nous les avons attaqué. Zelga, Pokémon mythique, maître du temps. Et toi aussi, Palkia, Pokémon mythique, maître de l'espace et des dimensions. Ils arrivent. Ils arrivent. Là, par contre, normalement, il n'y a pas les trucs au milieu des cercles. Hein. C'est l'émulateur qui est comme ça. C'est pas comme ça normalement, c'est bien en dessous. Et le lecteur par contre il fait mal, c'est moche. Je confirme. Placement, il y a celui de la perfection, un monde dans lequel l'esprit inachevé et la cuillère n'a pas sa place. Le mont Courny. Alors moi dans l'écran du bas je vois les trois Pokémon des lacs. Alors désolé, je ne pourrais pas vous le montrer. Hein. J'ai pas envie de bugger. Et voilà. Qu'en fait, là, ils arrivent. Alors en bas, je vois Palkia, Dialga. J'aurais dû m'y attendre. Créer elfe, être du savoir. Créer fadé, être de la volonté. Et créer fouet, être de l'émotion. Ces Pokémon sont venus protéger Sinnoh, pathétique et inutile. Doivent s'y mettre à trois pour faire face aux Pokémon du temps ou de l'espace. Mais ils ne peuvent maintenir l'équilibre face aux dégâts, face aux deux à la fois. Pas en présence de Zelga et Palkia en même temps. Ils sont venus pour rien. Toutes ces histoires sont en vain. Bien, McLean, tu n'as eu de cesse de contrarier mes plans, mais je te pardonne. Après tout, quand j'aurai terminé, s'en sera fini à tout jamais. Toute forme d'esprit disparaîtra, y compris le tien, de ceux de tes Pokémon et de tous les gens qui te sont chers. Il est temps, mon rêve va devenir réalité. Quelle est cette pression? Quelque chose dégage une telle rage. Putain, ça me fait chier parce que c'est en bas que ça devient intéressant. Attendez, j'essaie. Malheureusement, j'ai essayé. Désolé. Hein. Ça ne marchera pas. Donc là, on voit pas les yeux de Palkia en train d'arriver. Intéressant. Ainsi, donc, il existe un Pokémon qui ne peut apparaître que sous la forme du nom. Ok,
qu'importe la manœuvre de foule à l'échec, si j'ai fait bien les pouvoirs de Gaibaka. Et là, il va créer le monde distorsion. Moi, Helio, je refuse toute nouvelle. Voilà, donc là, il nous a foncé dans la gueule. Et voilà, le monde distorsion. Non ! Cré elfe. Cré fadé. Cré folie. Il reste plus longtemps parce qu'il va tourner autour de moi. Vous voyez ? Désolé d'être arrivé si tard. Je pense avoir enfin trouvé la réponse à cette énigme dans les mythes. À la création du monde, un troisième Pokémon naquit au même moment. Un Pokémon dont le pouvoir égalait ceux de Zelga et Palkia réunis. Le nom de ce Pokémon, Giratina, resta enfui au fond des âges. On dit qu'il s'est établi dans un autre monde, de l'autre côté du nôtre. Cette tombe, tout à l'heure, c'était lui, Giratina. Les colonnes se distordent. Ah oui, grâce, j'avais pas fait gaffe. Regardez, regardez à droite, à gauche et à droite. C'est à cause de ce portail. La base virale VPS a été mise à jour. Ça, c'était très mignon de leur part. Désolé, c'était Avast. C'est à cause de ce portail, il relie notre monde de l'autre à l'autre. Si on ne le referme pas, la distorsion va se propager dans Sinnoh et au-delà. Alors, ce sera la fin du monde, de ce monde. Allons-y, nous devons poursuivre Yo. Merci. Alors, ici, ce sera des pierres pour plus tard, vous inquiétez pas. Non, on peut pas la récupérer, il n'y a pas ici, c'est pas là. Bon, mais c'est pas grave, allez go. Alors, on va aller parler. Allons-y. Dépêchons-nous. Nous fonçons dans le monde distorsion. Welcome to the world distortion. Cet endroit est étrange. Je le sens, il n'y a aucun Pokémon dans le coin. Le temps est figé et l'espace instable. C'est un monde qui enfreint les lois les plus élémentaires. Un lieu qu'on serait tenté d'appeler le monde distorsion. Voilà, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Trouvons Giratina. Il faut empêcher que la distorsion ne s'étende au-delà des colonnes de lance. Voilà, lui c'est lui qui est passé. Alors il y a un film qui est sorti dessus. Et on voit donc justement Sacha aller dans ce monde-là. J'en dis pas plus si vous voulez regarder. Hein. C'est Pokémon Giratina. Enfin, Pokémon le monde distorsion. Je sais plus. C'est le film 10, si j'ai bon souvenir. Hein. Sans vouloir dire de conneries. Alors. Je peux rien faire. Je découvre, enfin, je découvre, voilà quoi. Donc, je vais avoir plein de quêtes à faire, on va dire. Enfin, des quêtes. Pour l'instant, il faut que je la suive normalement. Hein. Moi, je suis un fou, je la suis pas. Je vole. Cette aile de pierre, on dirait qu'elle bouge en main sur certains points. Voilà. Vous pouvez voir, voilà, nous sommes descendus d'un étage. Va-t-on trouver Giratina en descendant par là? Et dans ce monde, comment savoir si nous descendons vraiment? La folle est sauvée. Pardon. Alors là, j'ai des pertes d'FPS. Folie! Donc là, il va nous montrer quand. Voilà, il va nous montrer la route à prendre. Waouh! Voilà, c'est ça qui est super bien fait dans ce truc. Hein. C'est ça que je kiffe. Par contre, j'ai jamais fait gaffe aux plantes. Descendons, descendons. Hier. Yeah. Alors. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Mince. Alors là, j'ai bugué, c'était pas voulu, je vous promets. Putain, c'est compliqué, je m'en souvenais plus de tout ça. Putain, attendez, j'ai bugué encore. Désolé, la télécommande là, le fait exprès, on dirait. Je pensais que c'est pas en bas, on va dire, par là-bas. D'accord, je peux pas y aller. On va dire par là. Essayons, essayons. On va essayer différentes possibilités. Ok, ici y a rien. Ici y a rien non plus, donc c'est par là-bas.
Y a pas un truc par ici? J'appuie sur à fond. Ben non, non, c'est pas là. Donc c'était par là-bas. Donc j'ai rien compris. Désolé, ça, oui, les FPS là, ils ont baissé depuis qu'on est dans ce monde distorsion. Merde, attendez, je vais monter, moi, je vais monter. Voilà. Je monte. Salut, Cynthia. Rares sont ceux qui se souviennent du mythe de Giratina. Il évoque un monde situé de l'autre côté d'une autre. Nous sommes en plein dedans. Comment expliquer cette son existence? Que fait Giratina ici tout seul? Tant de mystères à déchiffrer et si peu de temps. C'est pour nous, ça doublera nos chances. C'est pas par là-bas. C'est peut-être par là-bas. Il y avait un truc en bas. Alors là, je peux vous dire, je suis complètement perdu. C'est tellement classe. Attends. C'est compliqué. Oh là là, c'est un véritable labyrinthe. Ouais, on n'y est pas rendu, je vous le dis, moi. Ah, je reviens au début, non? Donc là, je me suis fait avoir. Je sais pas par ici. Par là-bas, essayons. Je pense que j'avais trouvé la bonne route sans le vouloir. Non? Donc, il y a qu'un haut. Oh cool, je peux sauter comme ça. Je descends. Je jure qu'il n'y a rien. Si vous avez vu en dessous le truc là, ça peut... Waouh, ça fait tourner la tête. Le problème de l'homme n'est plus là, il m'a laissé ici avant de disparaître plus bas, perturber mes plans, il suffit de l'apaiser. À ce propos, le concept de gêne est il. Ils sont en termes de vie, Pokémon et humain inclus. Les gènes sont des segments d'ADN, deux brins d'ADN constituent une double. Une des séquences posées, l'autre est apte à le dupliquer, l'une et l'autre ne peuvent exister sans leur double. Tu vois où j'en veux dire? C'est étrange, le temps est suspendu, l'espace instable, seul le Pokémon de l'ombre vit ici. On peut dire notre monde que je veux changer. C'est comme avec les deux. Pour exister, ces deux mondes doivent se maintenir mutuellement en équilibre. L'un ne peut exister sans l'autre. Le Pokémon de l'ombre joue sûrement un rôle dans cet équilibre. Cela explique qu'il est intervenu et qu'il m'est amené ici. C'est probablement le Pokémon de l'ombre qui a créé ce monde. Ainsi, ma quête de changement l'a dérangé et poussé à se montrer, mais c'est sans importance. Ce qui compte, c'est de le vaincre pour faire disparaître ce monde. Je refuse qu'il s'interpose à nouveau. Une fois qu'il sera détruit, aucun des deux mondes ne pourra retrouver son état d'origine. Le mec, va falloir que t'ailles faire soigner, mon gars. Je me suis fait avoir. C'est un piège. Okay, ça, c'est pas un piège. Donc là-bas au bout, c'est un piège. Ça se comprend, de toute façon on le voit très bien. Vous voyez les vrais trucs. C'est que... Pardon, c'est avec des points comme ça. Il est faux. Wow, je me suis fait surprendre. Ah bah là c'est le cas de dire. Pinais la blague, je me suis fait avoir. Je peux pas monter, mais comment je fais moi pour y aller? Ah, c'est de l'autre sens, d'accord, ok, c'est un bug de fichage. Ok, pardon, donc c'est pas ici. Bah ici, normalement, c'est pour revenir, justement. Ok, c'est pas là non plus. C'est pas là. C'est ici. Ensuite, donc c'est pas en bas, normalement. Peut-être qu'ici. Ouais, je découvre tout au fur et à mesure. Je crois que je descends un peu vite là. Ouais, je descends un peu vite. Il y a quelques bugs d'affichage d'ailleurs.
Attendez, je remonte parce que je crois qu'il y a d'autres choses à faire en haut. 15 minutes déjà à peu près, même plus. C'est pour ça que l'attention c'était obligé. Le monde distorsion allait être beaucoup plus long à faire. Ah ben non. Attends, la suite c'est bien là-bas quoi. C'est-à-dire que je prends la bonne route sans le vouloir. Ok, ok, pardon. J'ai oublié des choses, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des routes que je vois mais que je peux pas atteindre. Peut-être après. Voilà, c'est le début de l'épreuve. Alors, première épreuve. Donc en fait, il y a des trous. Je vous explique. Il faut même que j'utilise ça, faut être sérieux. Non, c'est faux. C'était faux. Alors, normalement, donc ici, j'ai juste à le pousser. Eh bien, on la pousse. Mr. Flotte, à ta jouée. Il est en dessous, donc c'est la fougère en bas. Ah non, j'ai même pas vu. Faut que j'en mette une déjà ce truc. Ah oui, c'est vrai, voilà. Vous voyez, ici en fait, c'est comme s'il était enfermé. Donc je faut que je le fasse. Oh, mais tiens, la Cynthia. Son roi ressemble à un puzzle géant. Peut-être que j'ai rien à chercher. L'histoire est venue. On dirait que pour progresser, il nous faut résoudre ce puzzle. Tu as vu ces rochers qu'on pouvait déplacer? Là-bas, regarde ses qualités. Les Pokémon du lac semblent vouloir nous montrer quelque chose. Eh bien, en fait, c'est l'endroit où faut que je fasse tomber cette pierre. Donc voilà. Donc c'est ici. Attention. Voilà, c'est le bon. Comme vous pouvez le voir. J'ai gagné. Voilà, donc en fait maintenant il faut que j'aille là-bas. Hein? Là c'est Créfadé. Non, Créfolé pardon. Créfolé. Donc là comme vous pouvez voir, Créfolé m'aime beaucoup. D'ailleurs il voudra jouer avec moi. C'est ça qui va pas me plaire. Il va falloir que j'ai un Pokémon avec un truc spécial. Ce sera très chiant à trouver. Attendez, je cherche s'il n'y a pas que. Oh, c'est bizarre. Ah non d'accord, la suite est ici. Pardon, désolé, j'ai compris. Alors, on pousse le gros rocher et on pousse. Donc je ne peux pas retourner en arrière parce que si vous avez vu, il y avait des moyens pour descendre. Donc maintenant, il faut que j'aille là-bas. Alors, donc on va trouver ça sera là. Quoi, je remonte? What the fuck, man? Ah d'accord, j'ai compris. En fait, c'est monsieur, j'ai compris. Pardon, monsieur. Attendez, je parce qu'en fait, ça sert à aller plus loin, justement. On va passer à droite. Ah oui, bon. Voilà. C'est bizarre, c'est ça. Je l'ai jamais vu. Waouh! Ça disparaît tout seul, quoi. Il y a des fois où ça permet de me bloquer. Je vais vérifier si ça n'est pas quelque chose. Qu'est-ce que tu veux toi? Mais il va arrêter de me faire monter là, mince. J'ai d'autres choses à faire hein. Oh. C'est pas par là-bas. C'est un piège. Ah d'accord, ok, on revient ici. Ok. C'est bon, j'ai compris. Pas ici. C'est ici. Pas ici. Ah ben voilà, les passages que je n'avais pas pu. Allez. Ah la blague. Je me suis fait littéralement avouer. Je suis en fou. Putain, j'adore la musique, pardon. Elle est classe. Elle est tellement classe. Yeah.
Alors, c'était pas ici que j'étais arrivé. Je crois pas. C'était pas ici, j'ai raison parce que je vois du en bas. Je me suis pas gouré. Attends, c'est super. Et il est où? Il est là. Comment il a fait pour passer? Mais mince. What the fuck, il est où? Il était là! Il a eu peur ou quoi? J'ai rien compris ce qui s'est passé. Donc c'est bien par là. En fait, il faut que je suive Giratina. Alors c'est super. Là par contre, ça bug. Wouah! Première utilisation de surf au monde distorsion. Faut dire que les contrôles, c'est super compliqué. Trop bonheur pour la première fois que je peux utiliser surf. Cascade sans la voir. Youhou. Là, je suis obligé de la descendre en fait. Parce que je peux pas bouger. Voilà, vous avez l'autre pierre. Maintenant, Créfadé va ramener son cul. Salut Créfadé. Hello. Vas-y, fais-le tomber, Créfadé. Ouais, c'est tombé. On descend. Et voilà. Alors, donc, Créfadé me dit que c'est celui-là où je dois le mettre. Ok. Ouf. Merci Griffody. Je me demandais où il était. Je crois que c'était une blague. Merci Griffody. Il est en bas. Oh, tu as dû sauter comme un malade, il a dû sauter de truc en truc là. L'heure du combat approche. Alors, je vous le dis aussi, comme ça. Pourquoi chercher à changer le monde? Quitte-le, personne ne te retient. Trouve-toi un endroit où tu seras seul. Pourquoi devrais-je m'exciter et attendre en silence? Mon but c'est de débarrasser le monde de cette chose imparfaite et superflue qu'on appelle l'esprit. Il n'y a qu'en nous libérant que nous pouvons créer un monde idéal. Voilà ce qui est légitime. Non, attendez. Je vérifie. Ok, discussion. Personne ne vaincra. Surtout pas le Pokémon de l'ombre. Jamais de la vie. Le combat final. La destruction de la Team Galaxy. Oh, punaise, 5 Pokémon. Je l'avais complètement oublié celui-là. D'abord, on dirait que j'ai de la chance. Peut-être pas. Si, si, j'ai de la chance. Allez, go! Punaise. J'aurais dû sauvegarder peut-être avant. Oh! Lui il m'avait fait perdre tous les Pokémon presque. Oh putain, par contre ouais, ça par contre c'était dommage. Ça c'est XP gratos, vous savez. Réflexion du Pokémon prochain Pokémon plutôt. Il a 10 morts maintenant, ouais, son forfait va évoluer. Je me sens ce qu'il faut lui donner.
C'est super chouette, Fabou, il a dit pour ah, forfuré. C'est ça, baisse ton attaque. Baisse. Putain, il a pression, quoi. Sérieux. Le Google, putain, j'ai oublié qu'il avait. Changer de voir son ligne d'attaque. Ok, alors ça, c'est normal, ça le fait tout le temps. Close combat. Yes, pardon. Plus de 46, le plus HL de mes Pokémon. Est-ce que cela suffira? Yes. Allez, 2000 points d'XP. 2000 points d'XP. 2000 points d'XP. Yes. C'est bon. Allez, on continue. Léviathan, ok. Alors toi, mon gars, tu vas te faire hausse par un Pokémon que je... qui se nomme Luxray. Meurs. J'ai tout dit, sauvegarde s'impose juste après. Hein. Tu es mort. C'est une blague. Il va falloir qu'on m'explique comment un Léviator fait pour avoir l'attaque séisme. Expliquez-moi s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, j'avais pris ce coup-là. Mais là, je m'en fous de ça. C'est une blague. J'ai jamais vu ça. Pff, c'est cheaté. Un Léviator avec séisme. Mais oui, bien sûr, je le savais. C'est complètement normal. Je tente. Plus rapide que moi. Putain, c'est son Dimori maintenant qui est plus HL. Ah, il peut faire Dimori. C'est ce que je pensais de toute façon. Son principal Pokémon, c'était Dimori. Ils sont puissants. Alors, ok. Karmash, Tauraptor. Non, Karmash maintenant. Je le prendrai pour son dernier Pokémon. J'espère qu'il sera pas trop fort. Parce que après, je vais pas lancer une attaque de malade. Vous l'attendez tous, je pense. Deux fois, mais puisqu'il est rentré, ses stats normalement il a récupéré ses stats. Pardon, désolé. Putain, mais deux fois quoi. Ok. Attention, je vais sortir la toute nouvelle attaque de Karmash. Pas maintenant, pas la première attaque, le deuxième coup. Comme ça, comme ça, plus je me protège. J'admets que tu m'as poussé dans les derniers retranchements. Bah, toi, t'en as tué que deux chez moi. Oui, sortez. Alors, je la fais bien peu pour être sûr que ça le fasse bien mal. Non, après ça devrait suffire. Attention! Ouais, toxique, voilà. D'accord, Nicotin. Attention! Attention! Le... Quoi? Quoi? Ah désolé mais là ça m'a énervé là. Le truc mais c'est une blague. Dracométeur la plus puissante de toutes les attaques Dracogriffe est aussi puissant que ton Dracométeur de merde. Je me suis fait littéralement voir. Ah, pourtant moi aussi je mais non mais pourtant j'avais souvenir que c'était puissant. Je m'applaudis. J'ai réussi. Je l'ai fait. Je sais que c'est plus compliqué, hein. De toute façon vous avez vu tout ce qu'il me donne comme XP. C'est inacceptable, c'est impossible. Regardez, on dirait qu'il fait. Il fait pas jeune, il fait vieux. Regardez-moi sa tête. Allez hop là, 8640. Pas t'imaginer que tu peux vaincre que tu as ce Pokémon, ce monde bizarre, notre que la créature elle-même. Le vaincre ou le capturer progresse à disparition. Oh et puis après tout, fais ce que tu veux. Plutôt que de réparer le monde, vas-y, prends ma succession. Ou tu vas rester ici. Ne crois pas, mais c'est mensonge, un Pokémon ne peut pas provoquer la fin des temps.
C'est toi et tes Pokémon que le monde attendait. Et tes proches aussi. Les gens et les Pokémon viennent au monde parce qu'ils ont un rôle à y jouer. Je suis convaincu, Jardin ne disparaîtra pas plus que le monde sera que notre monde. Alors à la rencontre de chacun. Oh, il faut d'abord que je m'occupe. Yes, merci. Je préfère. Merci beaucoup. Je dénaille furieux parce que les deux mondes sont en danger. Le monde des ours et le nôtre ont fusionné au niveau des glaces. Cela explique que la distorsion prenne de l'ampleur et en portée d'autre. Mais il n'y a rien à craindre. Je peux vaincre Giratina et montrer le lien. Tu peux vaincre Giratina, pardon. Ton équipe, ou alors fais-lui comprendre ton désir qui se gêne à toi. Si tu réussis, Giratina comprendra et la distorsion prendra fin. Très bien, je sais pas comment c'est tout ça, mais c'est pas grave. Allez, petite sauvegarde. Parce que si j'ai envie de le capturer, donc si je le rate. Ça sera j'enlèverai la sauvegarde, enfin je résisterai la partie. Alors ok. Je sais pas, je vais dire. Oula, ça commence à s'énerver, ça commence à faire mal à la tête d'ailleurs. Oui, pardon. Je savais pas pourquoi ça bougeait pas. Hop, hop, hop. Laisse-moi avancer s'il te plaît. Tout se calme, tout se recule, tout. Ouh, attention. Giratina. Il regarde. Alors voici sa forme avec l'orbe perlée. Voilà, c'est la forme avec l'orbe platinée, pardon, platine, l'orbe platine. Donc j'essaie de récupérer parce que j'adore cette forme. Écoutez-moi cette musique. D'accord. Ah oui, c'est un type spec, c'est vrai. Eh bien, je suis dans la merde avec ce Pokémon alors. De toute façon, je vous promets, je le bats pas, hein. C'est pas mon Kermatch, à toi de jouer, c'est toi qui vas la fulgir. Soit plus rapide. Allez, mince, c'est moi qui suis plus rapide. Revenons. C'est cette technique qui m'intéresse. Elle est surpuissante. La preuve, c'est surchité. Bravo. C'est surchité. Ok, j'ai géré. T'as une intelligence, dites-moi. Pokémon, c'est ça, je vais pas le laisser faire comme ça. Torterra. Si c'est trop cher, ça sera pas très puissant, je le sais. Ça sera punaise. C'est tellement cheaté cette technique. Premier test. Vous êtes prêts? Oh punaise, j'ai envie de tenter une sombre bol. Attends, y'a rien en fait en dessous de lui, regardez. Pas la blague. Il est surintelligent ce Pokémon. Résiste de la partie, je vous retrouve tout de suite après. Et re tout le monde, quatrième round va bientôt commencer. J'espère que vous allez adorer. Enfin, moi, en tous les cas, ça commence à me saouler. Voilà, c'est vraiment une là. Parti pour le quatrième round. Je sais pas quel round je mettrai. Hein. Bon, le premier, c'est sûr, il y sera. Hein. Il fait pas. Il est dans la continuité de la première de l'épisode. Et peut-être que je parle, mais ça se peut que. Il sera pas dans l'épisode au final. Pilez. Comment se faire lui. Regardez comme ça on se trouve tout de suite face à Giratina, ce serait beaucoup plus rapide. Tout à l'heure j'avais préféré le faire avant parce que je savais pas quand est-ce que si on le combattait tout de suite ou pas. Puis en fait là je me rends compte que c'était complètement faux. Je peux la tenter, putain. En tous les cas je suis baisé. En tous les cas je suis fichu. T'as compris. Mais pourquoi il est plus rapide que lui.
Ouais, c'est pas normal, tu sais. L'extra t'a tué. Ma chouille. Attends, j'ai beaucoup de rapide. C'est Guy Giratina. Partie première hyperboule pour mes tests. J'ai fait qu'une fois pour l'instant le 3. Le 3, je vous dis, le 3ème round, je pense que je le mettrai. Ouais, le 3ème round, il faudra partir. Enfin, oui, je dis ça, mais vous le verrez de toute façon que je mettais en fait. C'est dans ma tête que je réfléchis. Désolé, je pense à votre. Punaise. Ça par contre c'est pas une réflexion. Ça fait deux heures là que je joue là, j'en peux plus. Tortara t'as tué. Je peux tricher aussi. C'est-à-dire que je peux ensuite prendre... Je pourrais faire un truc genre avoir 99 Master Ball. Malheureusement, ça me dégoûterait de faire ça. Mais bon, voilà quoi. Pour l'instant, je vois que ça que je peux faire. Parce que vous avez vu tout à l'heure, mais la Chrono Ball, elle a strictement rien fait. Hein. La hyperboule elle a fait beaucoup mieux. C'est pour ça qu'en plusieurs temps t'as mis bon. Voilà, ça m'a dégoûté. C'est ça. Utilise ton pouvoir antique sur mon Torterra. Comme ça je te balance un Pokémon. Tu vas le rendre. Non. Malheureusement, je vais vous déclarer que j'ai complètement fail. La télécommande m'a refait le coup du. Mince, j'ai dérapé. J'ai pas envie de recommencer. Putain, la Master Ball, d'habitude j'arrivais toujours à les attraper sans la Master Ball justement. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, je voyais que c'était presque impossible. Je t'aurais bouffé toutes mes boules. Sans avoir compris le message. Impossible. Le Pokémon de l'ombre a été capturé. À cause de toi, ce monde irrationnel va perdurer. Et moi, je ne pourrai pas créer mon mouvement. Même si je fermais qu'une autre chaîne rouge, tout est fichu. Qu'est-ce qui te pousse à protéger les deux? L'esprit social parfait est si important des yeux. Sommes nés la vie que nous menons, la langue que nous parlons font chacun de nous en être unique. Mais nous sommes tous unis par la présence en partageant nos vies avec les Pokémon et nous nous en trouvons aussi grandis qu'heureux. Silence. Ah, c'est à compter d'un riz. C'est comme ça que tu justifies la prétendue utilité de l'esprit. Sans résolution, sans rage, haine, frustration, sentiment détestable, foutre pourri de mon esprit infect. Assez, nous ne serons jamais d'accord. Mais je te fais une promesse, je perçois le secret du monde. Je reçois ce savoir à la création d'un monde parfait. Un jour, tu te réveilleras dans un monde que j'aurai créé moi-même. Un monde où l'esprit sera banni à jamais. C'est parce que nous connaissons la tristesse que nous ressentons la joie. De même, la colère contient les germes de la compassion. Rentrons chez nous. Le portail où se trouve la vie de l'autre côté de notre monde. Par conséquent, il existe forcément un passage relant les deux côtés. Et oui, c'est la source de Dieu. Adieu. On rencontre qu'elle mène au grand au-delà. Et l'on dit... Oh, excuse d'une manière cavalière. Tu es incroyable, quel dresseur Harper. Laisse-moi te remercier aussi pour mon soutien. Mais au fait, il faut absolument informer pour ce soir. Je suis insolent pour toi, tu devrais me rendre visite au labo. Et bienvenue. Donc, je vous montre sur la carte. Désolé, je suis encore dégoûté, mais c'est pas grave. Hein.
Voilà, donc en fait c'est ici le chemin source. Avant on avait une route. Et maintenant voilà ce qu'on a. Parce qu'en fait il y avait un endroit, un petit passage qu'on commençait à voir. Bon. En plus, voilà. Je suis un petit peu dégoûté. Escalade, allez. Bon, moi je suis content. J'ai Ratina, j'ai réussi. Malheureusement, je pense que je vais devoir tricher. Il va falloir que je cherche un code. Un code plus cool. Un code assez cool. Qui permet juste en fait de remplacer les Pokéballs, le nombre de Pokéballs par le nombre de Buster Balls. Enfin, le nombre de Buster Balls, c'est par rapport au nombre de Pokéballs qu'on a. Je crois que ça existe. Ça serait cool que je le trouve. Comme ça, voilà. Ça me permettra d'éviter de tricher. Alors, ici, c'est pas pour qu'on. Si vous pouvez pêcher. C'est débile, vous pouvez pêcher. Welcome to. On en arrive à la route 216. L'épisode aura duré super longtemps. Donc là, en fait, j'ai fait. Voilà, en fait, maintenant j'ai décidé. Le deuxième round et le troisième round, je le ferai pas. Hein, parce que je le mettrai pas. Ce sera trop long. Donc voilà, en fait, j'aurais fait deux. Il y a eu deux rounds entre les deux. Le troisième a été plus intéressant parce que j'ai failli avoir. Giratina. Et voilà le chemin source. Mène ici. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais pas. Je vais vous montrer cet endroit là où il y avait un deux arbres de couper à moitié. Enfin ça voilà, on dirait ça. Et voilà, en fait ça mène ici. Voilà. Donc je vais voir le professeur Sorpy maintenant. Et on se retrouvera à Verchamp pour le prochain épisode. Enfin ça dépend ce qu'il nous dira. On verra ce qu'il nous dira. J'en peux plus là, 2 heures de. Avec 3 épisodes, mais bon, le dernier là il a été waouh. McLean, te voilà de retour. Je suis sombre. Tu as réussi pour de bon. En 60 ans d'expérience, jamais mon cœur n'a battu aussi fort. Après ton départ, le professeur n'a pas arrêté de chercher à avoir de tes nouvelles. Il s'est fait un salon pour toi, McLean. Il a remué ses terres pour en savoir plus, allant jusqu'à me contacter de vieilles connaissances. Content de te voir en forme. De savoir en forme. Et bon retour par lui. Bon, j'avais quelque chose à te dire. Les 3 Pokémon des lacs sont rentrés chez eux. Alors dis-moi. Comment va la vie de ton côté, Togekiss? Un total de 163 Pokémon. Et combien de badges? Déjà 7, félicitations. Il ne te manque que celui de Rivamar. Tu en as fait un chemin du chemin. Pour ne pas t'attaquer à la reine de Rivamar. Et après, il y a la ligue Pokémon. Et oui, ça sera là-bas qu'on ira après. Cela élargira encore ton horizon. Et ce sont d'autant d'occasions de croiser de nouveaux Pokémon. Petite guérison s'impose. Et je vais vous laisser à Litorilla. Deuxième ville que nous avons découverte. Ouh. Ça en rappelle une souvenir d'ailleurs ça. Allez. Je suis encore dégoûté. Non mais c'est bon, je trouvais bien moyen pour les Master Ball. Voilà, alors je vous le dis tout de suite, les Pokémon auront sûrement changé de niveau. Ils sont peut-être, j'espère, niveau 48. Pour la reine de Rivamar. Parce que je crois que les Pokémon du champion, il y en a au niveau 50. Donc niveau 48, ce serait pas mal. Ce serait le minimum. Oui, je continue. Là, je te dépose. Voilà, Giratina est parmi nous maintenant. J'aurais peut-être d'ailleurs dû retourner dans le truc. Ah non, je pouvais pas, elle me bloquait. Giratina, waouh. Waouh, si vous regardez bien, il n'a pas la même forme. Justement, il faudrait que j'aille chercher son orbe pour que je puisse changer sa forme. Allez, Galopin, reviens parmi nous. Merci, mon petit gars. Allez. Ouais, niveau 48, je penserais plutôt niveau 47. Hein. Allez, je vous laisse devant le centre Pokémon à Litorella. Je vous dis pour à l'épisode pour l'épisode 36. Attendez, je vais pas trop vite. Pour l'épisode 36, on fera. Qu'est-ce qu'on fera? On ira. Donc, Rivamar. On fera l'arène, hein, parce que ce sera très rapidement. Et. On se préparera pour le chenal, le premier chenal qu'on prendra pour aller à la route victoire. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode. Toi qu'est-ce que tu fous là, tu me gênes. Bah pour l'épisode 36. 36 tout à fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.